pas joué longtemps, ça a pas duré longtemps. Oh, ouais, t'es un expert. Attends. Vas-y. Attends, s'il te plaît. Non. Du coup, les amis, je vais vous poser là. On est le dimanche. Il est actuellement 13h40. J'ai encore très mal à la gorge. Ma voix est catastrophiquement morte à l'heure actuelle. Je me suis acheté des petits strepsils. 6 livres. 6 livres, cette merde. Ça équivaut à peu près à 7 euros, 8 euros. Après, j'en ai 24. Je pense que j'en aurai assez. J'aurais dû en acheter hier. C'est triple agent. Ah, il y a 007. Il y a 007, 008 et 009. Mathieu et Hugo sont partis à Londres parce qu'ils voulaient aller à Londres et tout pour se balader. Nous, on a préféré rester là pour faire un peu plus d'économies au niveau de la nourriture. Pour faire des petites économies en bouffe et tout, on a été faire des courses. On en a eu pour 25 livres, je crois. On a pris une petite pizza comme as. Elle est grosse quand même, hein. Elle est pas mal, franchement, elle est assez grosse. On a pris du coup une sauce avec des frites. Attendez. Les frites, wouah! Putain, les avions! Du coup, pour 13 livres, on a la bouffe. Et pour 19, on a avec les strepsils. Dans 2 heures, on se donne rendez-vous à la Copperbox Arena avec les mates. Et puis voilà. Oh, bah, j'ai pas réussi à faire le. Puis voilà. Attends, vas-y, je vais faire la voix. Et puis voilà. Voilà. On a enfin peut-être un Uber qui arrive. Waouh, il est en Mercedes, frérot. C'est ça qui est marrant. Il roule à gauche ou quoi ici? Ah putain, c'est inversé. C'est inversé. Bah il roule à gauche. Le staff arrive bientôt pour les vidéos entre 15h30 et 16h. Okay. Du coup, on sera pas dessus, je pense. Ok, les amis, on vient d'arriver à la Copperbox Arena. T'as 2 minutes? Vas-y. Interview, s'il te plaît. Vas-y. Mais non. Vas-y, allez, merci. Du coup, on sera pas dessus, je pense. Ah, il y a les micro-rods, c'est la concu. C'est quoi ton jeu e-sport préféré à suivre? Bah, je suis Rocket League, je suis Valo aussi. J'adore regarder Rocket League, mais c'est vrai que j'adore aussi Valo et LOL. Quel est ton maillot M8 préféré? Celui-là, bien évidemment. Il est trop beau. Franchement, les couleurs s'associent trop bien, je suis trop content de l'avoir. Je pense que c'est un maillot que j'ai pas. C'est le champion. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Ah, ça commence directement, ah, les interviews. Interviewé, putain. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus cordats. Ouais, tous ensemble. Moins de voix qu'hier, en fait. Le petit pronostic pour toi, là. Tu vas être facile. Let's go, Falcon. Yo, ils sont 10, ils font des mecs. On vous entend pas! On vous entend pas! On vous entend pas! Du coup, petite prédiction. Mate Falcon. J'ai un petit 4-2 pour Mate, là. Je pense que ça va être chaud et que ça va être un 4-1. Ouais. Donc là, on rappelle les scores, il y a... On s'aime, on chantera pour toi. Nous sommes scellés, amène l'idée. Amène la 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 la. Ça va? Il est trop vite, Théo. La 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 la, ouf, la 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 la, ouf, hey, ouf, ouf. You got the green suits up there in the top left corner of the copper box, making a lot of noise already. They're getting geared up. Hey.
Non, non, à l'endroit. À l'envers. Oh putain. J'ai pas appris à lire. Introducing first, on the blue side, representing MENA, the high flying kings of the skies, Team Falcons! And their opponents, I'm gonna get some friends for my help up here, they're representing Europe! Of Rocket League lore. TRK is back with a new cast of Falcons. But can anybody derail the Gentle Mates Express? An unstoppable force and an immovable object. There's only room for one of these titans in our grand finals. It's time to witness greatness. And it's time to kick off Championship Sunday! Welcome everybody to the pressure cooker. Semi-finals and maybe history on the line. Will we see for the first time no European teams in the top two? Okay, who's gonna strike first? It is massive.
jealous. See the team out on the far side, no there isn't. The last is too busy trying to pick up 100 moves. That's now too safe, only the influence take a long jump. We spent hours practicing for these moments, and suddenly you get onto this map, and your hands won't do what you want. And then you just say they're not this willing to keep the ball close. They're driving away, Seiko's up with the back door double. Does he have it? He's going to break it out! Et c'est celle-là, direct. Ouais. Je vais récupérer le skill du Tachi, là. Merci, les gars. Merci, les gars. Merci. Merci, les gars. Merci, les gars. Merci. Bon, on est sorti dans le coin fumeur. On est dépité. Fort, à fond. On a parlé avec quelques mates. Un daron qui supportait Genji. Et qui était venu à Paris. Il nous a raconté sa vie. Il nous a montré ses photos sur son Instagram. Voilà, pourquoi pas, écoute. C'était long. C'était très long. Et ne nous lâchez pas, hein, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Là-bas, il y a des cassés, des mecs qui regardent la LEC de Carmine Corp. Fin de match, fin de journée, fin de major numéro 2. Mate ! Ouais, donc je voulais vous dire, on fait casser les cassés, les cassés, les cassés. Va vers le chien et tu fais ça, j'ai quoi là qui... Ce week-end j'ai trop gueulé. T'as trop ouvert ta bouche. Ouais, voilà. Comment t'ouvrais ta bouche? Vraiment un grand
merci à vous de se déplacer autant pour les joueurs. Ça, vraiment, ça nous touche énormément. Mais moi, ça me touche vraiment beaucoup. Si. Tu nous doubles là. Moi, je vais revoir ma copine. Tu nous doubles là. Je vais revoir ma copine. Oh, il a eu tout mon zèle. Tout le monde est sur un truc. Ça veut manger toutes les cannes. Attends, il a un stylo blanc en main. En fait, Oui, non, non, hein. Ta phrase. J'ai rien dit, moi. C'est lui qui a parlé. Mais tu m'as parlé. Il n'a vraiment rien à foutre. Frérot, tu t'en fous. Carrément, manger la carne. Je t'en fous en fait. C'est quoi que tu m'as parlé? Ok, vas-y, tourne le dos carrément. Est-ce qu'il y a moyen que je prenne une photo comme ça et vite fait ça, genre? Genre ça et après juste vite fait avec la caméra. En deux spies après. Tu veux faire quoi? Genre on prend en photo avec le phone et après vite fait avec la perche. Ok, vas-y, vas-y. En mode selfie, tu sais. Je vais pas vous saouler longtemps, ça a pas duré longtemps. Oh, ouais, t'es un expert. Attends. Non, t'as l'air de maîtriser ce que tu fais. Attends, t'es vraiment un expert, toi. Désolé, c'est un peu long, genre. Après, la perche, elle est vraiment. Attends, tu la mettais juste là, on nous voyait tous les trois. C'est un tour de magie. Comme ça, on voit tout le monde. Tu veux la tenir ou pas? Vous voulez la tenir? Le gars, il nous fait un tour de magie. Genre. Non, tranquille en vrai. T'es sûr? Et après, vous payez d'être bloqué à l'entrée. Regarde les appareils que tu ramènes. Ouais, tout le monde. J'espère que ça rec, hein, par contre. Gentle! Oh là là. C'est bon, ça rec. J'ai peur de. Je tiens demain, j'ai vraiment peur de la casser, vraiment. Merci les gars. Vous gérez, continuez ce que vous faites. Des meilleurs tours de magie que j'ai vu de moi. Allez, bisous. Merci pour tout. Incroyable. Mais c'est pas. Ça vous fait rire ça. Ah j'adore. Tu peux refaire s'il te plaît. Vas-y, vas-y, refais, refais. Ah on est. Moins drôle d'un coup, moins drôle. Ouais, moins drôle, moins drôle. Bon bref, du coup. Demain, vous avez le train à quelle heure? Moi, le train, il est. J'ai pas de train. Ah, c'est l'avion? J'ai pas d'avion non plus. Tu rentres comment? Bah, en EasyJet. C'est pas mon avion. Par contre, j'ai gagné parce qu'il a dit j'ai pas d'avion un plus. Je demande le rush. Ah, c'est l'avion? J'ai pas d'avion non plus. Attache-toi, Fat, s'il te plaît. Attends, ça marche comment? T'as détaché ma ceinture, fils de chien. In 800 feet. C'est le truc rouge, normalement. Mais par contre, je sais pas si je peux me détacher. Ah ouais, c'est le truc rouge qui est tombé. Au pire, tu passes par en dessous. Ah vraiment? Le bouton, il s'est enlevé. Je vais rester bloqué dans la voiture. Je vais faire tous les trajets. Tous les trajets. On n'a pas pété la ceinture, mais en gros, genre, il a dit à un moment, ouais, j'ai entendu un clic bizarre. Ouais, ouais. En fait, c'était ma ceinture qui s'était détachée. Et du coup, je me suis rattaché et genre, j'arrivais pas à m'attacher, tu vois, c'était trop bizarre. Et pendant que je m'attachais, j'enfonçais le truc. Alors moi, j'ai senti le plastique rouge qu'on t'a appelé pour détacher qui est venu dans mes mains. Quand comment on s'est arrêté, j'ai voulu me détacher et j'étais en mode, je peux pas, je peux pas. Je vais passer en dessous, passe par en dessous. Et il a fait ça en 12 contre 30. Après, ouais, donc je suis précipité, je me suis dit, imagine, il se retourne. Bon. Voilà, parti de l'hôtel. On est à côté du Big Ben, on va prendre notre petit déj. Il est pas à côté du Big Ben, à côté du London Eye. Et on voit le Big Ben juste en face. Non, il est un peu plus loin. Ouais. Et là, il y a la grande roue. On est fatigué, on est mort. J'ai une boutique M&M. J'ai une boutique Lego. Moi, j'ai Lego. Lego, vas-y.
actuellement à Golders Green Station. On attend notre bus pour aller à l'aéroport. Je suis tabassé, j'ai trop faim. Les amis, notre bus est là. Luton Airport, notre très beau bus. Hein ? Alors on vient de se réveiller, on était dans le bus, ça a roulé pendant 30 minutes, on a dormi dedans, on est à l'aéroport et on va aller se prendre un petit truc à manger je pense avant de décoller. On a vu qu'il y avait un petit BK dans l'aéroport donc on s'est arrêté, on va manger un petit BK parce que j'ai trop faim. Yo les potes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va décoller, donc on a passé la douane, on a passé la sécurité, on n'a pas passé la douane, on a passé la sécurité et là on est dans l'avion, tu casses les couilles. Là, on est dans l'avion, on va décoller. Voilà. Donc, direction la France, direction Paris.